Ah, mon Afrique, réveille-toi, il est midi, tu dors encore, réveille-toi. N'écoute pas Babylone, il t'a fourni les armes pour tuer ton peuple. N'écoute pas Afrika nanga oya ba toi cheveux crepus ba toi mayele bo simba ni ba bigé oya bilanga bo simba ni ba Congo simba ni maboko mungu na le kate o Afrika malobate musalande tu règnes par la justice la course au pouvoir toujours des coups d'état o Afrika. Tu es champion de la guerre, mais c'est toi toujours qui a faim, c'est toi toujours qui a soif. On te prend comme un bétail, tu suis toi comme un mouton vers l'abattoir. Très intelligent, mais tu connais pas la honte, c'est pourquoi tu es le dernier. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo 7, bonjour, bonsoir chez vous. Merci toujours de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée avec Gary Iweledjia, le super délégué, comme ça a toujours été depuis Washington DC, la capitale du monde. 5 millions de morts, plusieurs centaines de femmes et enfants violés par les forces du mal. Cette situation interpelle et réveille la conscience de tout un Congolais, peu importe son appartenance géopolitique. Cela n'a pas laissé indifférents les hommes de Dieu de la région métropolitaine de Washington qui ont organisé une séance de prière dans l'enceinte de American University, ici à Washington DC. Nouvelle année, nouvelle stratégie, nouvel élan, pourquoi pas nouvelle énergie. Pour la toute première fois depuis que nous vivons dans cette région métropolitaine de Washington, avions déjà vu les hommes d'église, les hommes puissants d'église se mettre ensemble pour quelle cause que ce soit. Mais cette fois-ci, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit « Enough is enough, trop c'est trop, levons-nous et prions pour le Congo ». Bravo donc aux hommes d'église qui ont compris vraiment que la situation au Congo, le changement de la situation au Congo ne viendra pas seulement des hommes politiques ou des autres activistes politiques, mais de tout un chacun de nous, vous et moi y compris. Comme toujours, Dia ne cesse de déplorer vraiment le nombre de participants à ce genre de manifestations. Je crois que tout Congolais, partout où vous soyez, il faut savoir que cette année, c'est une année qui est donnée aux Congolais de pouvoir se réveiller et se battre pour l'avenir de ce pays, notre patrie. Merci donc aux organisateurs de cette séance de prière. Je pense au révérend pasteur Jean Senga, je pense au pasteur prophète Maxin Mwamba, je pense au pasteur Alliance Chovu, je ne cite que cela. Espérons que ce genre de rencontres pourront bien continuer avec d'autres églises, pourquoi pas avec les églises congolaises qui sont éparpillées et ici aux États-Unis et aussi au Canada. Congolais des États-Unis, Congolais du monde, réveillez-vous, levez-vous, battez-vous pour le Congo. Le Congo n'ira nulle part. Le Congo est le nôtre. C'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Il va rester le nôtre. Politiciens, faites votre part. Hommes de Dieu, faites votre part. Étudiants, musiciens, femmes ménagères, tout Congolais doit s'élever pour dire non, trop c'est trop, enough is enough. Suivez donc ce qui a été cette journée. Révéler pénitence et que tu sois Dieu dans ce Congo.
Commence par la restauration